l'action. De 2018, ça j'ai commencé cette nouvelle version. Donc entrer dans cette idée des plus poétiques. Ton corps s'enflamme sur chaque marche de ce beat. Mets-toi à l'aise et sois prêt à bouger. L'intérêt est là pour te faire danser. Le plus hardcore de toute la partie nord. Passe et repasse, puis s'évapore. Donc écoute-le, faites attention. Absorbe cette leçon, bois cette potion. Tu ferais bien de prendre les paroles sérieux. Car quand je prends la parole, ça n'est plus un jeu. Je me donne mon esprit, puis j'en ressors et j'y reviens. Je brûle des cellules pour moi, c'est mon fortin. Pourquoi? Je reprends la parole et fais couler mon registre. Le vide ma vie, je décapite des vides pour cette maison. Ma volonté est interdite, sorti de mon quartier. Car j'ai déjà tué par mes rimes les 5 ans que la vie d'or sort. Dis-moi, je vis à quelle époque? Car quand j'allume la radio, soit n'importe quelle fréquence. J'ai pour comme j'ai appris quelque chose qui balance. Toujours des copains que j'ai pas continué. Elles n'ont pas évolué, ou même progressé. Pour suivre un bon garçon pour cette nouvelle dimension. Du coup de la tête, là, j'ai donné une leçon. Ensuite, la main. Les magnums de mon adolescence.
qui me tient, mais la vie me révèle le côté réel, c'est ce qui me dit qui nous vous perd par un long journée. Vite, on est assassiné, on nous prime. Si ça va pas, on se suffit. Voilà comment la police explique. Des morceaux qu'on aime. Des morceaux qu'on aime. Suite à quoi tu pour 80% d'affaires. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça sert. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça sert. Tout le monde. Il faut que ça sert. Tout le monde. Analyser, nous transcrire, Christos se liquifie, il me donnait son ordi, un
intelligence artificielle faut qu'on y personnalise. À cette tessons le clavier, obligé de les secouer. La mire un temps plancher, même Alex Nissel laqué. Cambridge Analytica, m'analyse comme des NEA. J'ai des essences, dans l'essence, je pense danse, écrit mon essence, rien à voir avec finance. Gère la France et nos souffrances. Le cartel de Sinalena, veut que je sois une data. Et tu arrêtes ton carré, mais ma vie est plus que ça. Fort ce morceau là. Comparé à la première partie du show, c'est le nouveau monde dans lequel on vit en fait. Il y a un monde humain et un monde technologique. C'est pas la même, hein. Les morceaux sont bons, mais c'est pas la même. Attendez. On est en 2023. On n'est plus en 1991. On le sent dans nos articulations. Vas-y, envoie-moi ça. Ils oppressent les peuples et ils veulent qu'on se sente en sécurité dans leur ambiance violente. Les villes des personnes, on a déjà tout vu. Même la beauté de rêve, on l'a déjà tout vu. Pas vaccinal ou pas, ils n'ont pas nous stopper. Je fais où je veux quand je veux, sans parfaite honteté. Depuis que l'homme est homme, je vois plus quand la femme, si elle ne vient pas homme, ni moitié de chez l'âme. La chatte à ta grand-mère, bien plus écologique que certains Hidalgo et son programme civique. Ça frappe comme un dé, je ne suis pas dans les chiffres. C'est sur centaines d'années que je resterai ma griffe. C'est sur le toit du monde que j'observe le spectacle. Beaucoup à l'audition, très peu finissent au rack. Écrit aux traditions, mensonger vanité. Ne peut pas cohabiter sur ma feuille de papier. Danse avec le diable, danse avec le diable. Esclave 2021, esclave 2022, esclave 2032, esclave 2021. Ils se prennent tous pour des ricains. Cherche plus la faune des putains, pour son vue et au putain. En perdant le latin, plus un historien. Objet comme ta gueule, quelqu'un à cela. Plus un chef indien, une seule référence. Succès, oseille, violence. Pisté, pisté par satellite, tout son réseau du grand ciel. Nos libertés, on confisque. Ici, c'est cool, le sang des dix. Car le techno, car le métier. Connex, agro, qui ton vaccine. Et des vieilles, plus fin de vitesse. Un bon matériel pour les garçons.
soigner, ça peut soigner, ça peut commencer, ça peut commencer, ça peut soigner, ça peut soigner, ça peut commencer, ça peut commencer, ça peut soigner, ça peut soigner, ça peut commencer. Docteur, docteur, pourquoi le cerveau du coca ne fait plus froid? Docteur, docteur, pourquoi les juifs, les bouddhistes pour parler s'inspire du silence et que réagit? Respecte sa cadence et ma sombre poésie. Élève l'insatiant jusqu'au palier d'interdit. Si tu acceptes mon aventure à mon travail de survie, les a priori limitent les connexions. La connerie interne limite notre ascension. Je sais de quoi je parle, j'en ai fait plus d'une. Des déserts de thunes avant de faire qu'un avec ma plume. Des océans d'aperture avant de faire qu'un avec ma plume. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis posé. Je sais qu'à n'importe quel moment je peux exploser. Mais comparé à hier, aujourd'hui je le sais. Mais comparé à hier, aujourd'hui je le sais. Mon père n'est pas africain, ma mère n'est pas indienne. Je suis un putain de b-boy. Et pour tous ces peuples, mon cœur saigne. Et plus ils saignent, plus ils m'enseignent. C'est les cultures, les traditions. Plus elles s'imprègnent dans mes écrits, dans mes vies, dans mes envies. Aujourd'hui je suis actif et peut-être demain je ne rappellerai plus, même si tu pries. Un futur que nous réserve-t-il? T'inquiète, on garde notre style. T'inquiète, on garde notre style. Au fond du cœur, je recherche la vérité. Plus qu'à mes côtés, c'est que je l'ai touché. Au fond de mon cœur, apparaît les gens que j'aime. Ceux pour qui j'existe, les gens que j'aime. Au fond de mon cœur, je me rends compte que je suis nature. Et je veux toujours conscient de la planète, même si ça paraît immature. On me rend comme ça, et la vie veut que j'y vois. Mais au fond de mon cœur, je sais que c'est l'antidote. Merci Valu. À bientôt. Merci d'être venu. On vous aime. C'est pour vous tous. C'est pour vous tous. C'est pour vous tous. C'est pour vous tous. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. C'est pour vous tous. C'est pour vous tous. Je recherche la vérité. Je recherche la vérité. Je recherche la vérité. Espoir pour l'éternité. Pour nous tous, c'est pour nous tous, c'est pour nous tous, c'est pour nous tous. Assassin, Rockin' Squad, Rockin' Squad, Rockin' Squad, Rockin' Squad, Rockin' Squad, Rockin' Squad, tout le monde Rockin' Squad. Yeah. La salle est bien sombre. Est-ce que pour faire un rest in peace à notre ami DJ Duke, je peux voir tous les téléphones en l'air, toutes les briquets, les lumières, tout le monde le téléphone en l'air. Éteins-moi tout ça, qu'on voit exactement comment la cigale rend un hommage au frérot DJ Duke. Magnifique, rest in peace. Est-ce que vous êtes là pour Rockin' Squad? C'est ça qu'on aime.
à tous ceux qui régissent. À bientôt, rentrez bien. C'était un plaisir de communier avec vous cette soirée. Sur la gauche, on a fait venir des gens qui se battent pour la terre. Ça s'appelle le jardin des taureaux. Ils font de l'agriculture bio et de la permaculture. On est ensemble. Éduquons nos enfants et on aura un monde meilleur. On vous aime. À bientôt. Voilà la classe. Super. Magnifique. Merci beaucoup, c'est génial. On attendait ça depuis longtemps. Famille, on est là à la Cigale avec Olivier Cachin. Voilà, franchement, j'espère qu'on va pouvoir faire cette interview, cette archive avec toi. On y arrivera. Voilà, tu peux nous dire un petit mot par rapport au concert là de Rockin' Squat Assassin? Écoute, excellente surprise. Ouais, ça faisait assez longtemps que j'avais pas vu sur scène. Le fait qu'il y ait quand même la caution représentée en la personne de Nick Fury, le petit featuring de Gynéco, Squat en pleine forme, super technicien, la musique était bien. J'aurais bien repris un petit peu plus long d'Underground Connection, mais voilà, ça faisait plaisir d'entendre tout ça. C'était très bien dosé. Évidemment, commencer par les classiques, c'était une excellente idée. Attendre trois quarts d'heure pour avoir le passage un peu le squat de maintenant avec Big Pharma et compagnie, bon. Et voilà, franchement, moi j'ai kiffé. C'est à la fois moderne et old school, donc bravo Squat, bravo Mathias. Voilà. Quand tu kiffes dans ta tête, toi? Bien sûr, bah ouais. Tu crois quoi, que je vais aller faire le pogo en bas? Justement, c'est vraiment une vraie question. Je l'aurais fait il y a quelques années, mais... Parce que je t'ai observé de loin et j'ai vu que tu étais bien concentré, bien... Voilà, dans l'ambiance, ouais. Quelques petites vidéos pour partager sur Insta et on kiffe, voilà. Hein, de toute façon, hein, comme il a dit lui-même, hein, l'éducation, tout ça, tu connais. Voilà, famille, merci beaucoup. En tout cas, merci à toi. J'espère vraiment que je vais réussir à faire une archive avec Mister. Parce que c'est trop, ouais, exactement. Faut pas lâcher l'affaire. Et je suis super content d'être là. Merci, Rockin' Squat. Et franchement, je te remercie. C'est super. Bah, très cool. À très bientôt. À bientôt, Akimon. La classe. À plus, frère. Merci beaucoup. Voilà, la famille, c'est génial. Un peu inespéré et en même temps voilà, c'est exactement ce genre de choses que j'aime faire et improviser et voilà. Donc j'ai eu l'occasion d'interviewer Rockin' Squat à deux reprises avec son équipe, avec des membres de son équipe. Et aussi solo d'ailleurs aussi. Hein, voilà. Et franchement, je fais pas beaucoup de concerts, tout ça et tout, mais ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir que bah qu'il y avait du monde, que qui s'amusait sur scène, que il a pu présenter quasiment tous ses albums, ses morceaux qui sont connus, moins connus, et vraiment une ambiance très très agréable dans cette salle en fait, dans laquelle je suis jamais venu en fait, voilà. Donc voilà la famille. C'est super. On est là avec Kimo. Hein. Voilà. 2023 quand même. Hein. Voilà. Et le concert en fait, il était prévu en 2022. Et voilà en fait, finalement, on y est. Et... Franchement, beaucoup d'émotions. C'est pas rien, quoi. Je veux dire, un concert sur Paris, dans le 18e. Aujourd'hui, sur dans les radios, à la télé, on n'entend plus le discours
le contenu qu'on entend dans ces chansons, dans ces rap hip-hop, purement hip-hop en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien en fait. Parce que c'est comme si... c'est bizarre parce que là... C'est comme s'il y avait une sorte de décalage, mais qui était assumé. Et d'ailleurs, c'est très très moderne. Hein. Le spectacle, entre guillemets, la performance, elle est très très moderne. Surtout avec son album Prison Planet et 432 Hertz. Deux derniers albums, là il y a encore des morceaux qui sont sortis dernièrement. Je pense qu'il y a un autre album qui est en préparation, il y a plein de bouquins, etc. etc. Moi je l'ai beaucoup suivi. Il se trouve que chez moi j'ai retrouvé plein de CD en fait, de Assassin, de Rockin' Squad, etc. Je me suis réécouté quelques morceaux. Et ouais, par rapport à tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, WhatsApp, etc. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends dans les rap actuels, bah, en fait, je retrouve pas ce discours-là, ces paroles-là. Et c'est, je trouve ça vraiment dommage. Et en même temps, c'est naturel aussi, c'est normal. On vit pas à la même époque qu'en 1990. Comme il le dit lui-même. Et c'est dommage en fait. C'est dommage. J'arrive même plus à savoir si c'est bien, pas bien, si faut absolument se poser la question liée aux valeurs qu'on pouvait avoir à cette époque-là, que peut-être on a plus aujourd'hui. Je sais même pas. Si aujourd'hui les jeunes rappeurs de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, s'ils ont ces valeurs ou pas. Si, pas de compte si, mais je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est très très complexe en fait. Et parce qu'il y a d'anciens rappeurs qu'on ne voit plus du tout sur scène. En tout cas, on les voit plus dans des grandes salles comme ça. On peut les voir dans des petites salles de concert, faire des apparitions dans des open mic, etc., etc. Ce que moi j'aime énormément d'ailleurs. Et mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de rappeurs de cette génération-là qui sont en mode concert et où il y a des supporters qui sont dans la salle et qui connaissent les chansons par cœur de cette période, de cette époque-là. Donc c'est tout, voilà. Mais c'est vraiment particulier hein, à vivre, à ressentir. Voilà, parce que voilà, c'est je sais pas. Il y en a qui ont écrit des livres là-dessus et allez les lire et voilà. Hein, en tout cas, moi, j'ai kiffé, j'attendais, et j'ai kiffé grave. Voilà. Et en tout cas, merci à l'équipe, c'est classe. Je sais pas quoi dire, en fait, je suis un peu... Bam. Mais j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais je sais pas quoi dire. Et ça correspond exactement à ce que je vis, ce que je ressens. Je sais pas quoi dire, je sais pas critiquer, je sais pas qui critiquer, je sais pas... Moi j'aime beaucoup le groupe Assassin, j'aime beaucoup Rockin' Squad, j'aime beaucoup Solo aussi que je vois aussi de temps en temps et aussi Walano, avec qui il s'est passé quelque chose d'électrique et de très sympathique et par rapport à l'équipe de Squad aussi que j'ai pu photographier, un petit peu filmer, etc. Et j'espère que je pourrai d'ailleurs continuer à le faire généreusement et gentiment. Mais il y a d'autres artistes que je vois là de cette période-là, de cette époque-là. Et j'ai une petite déception. Voilà. Parce que je les ai rencontrés. Je ne vais pas vous parler de qui exactement. J'ai rencontré, il y a quand même une petite déception au niveau du message. Voilà. Alors que là, le message, je l'ai trouvé encore là, présent, percutant et digne et d'actualité. Voilà. Akimo. Il s'adapte super bien. Akimo, on est là. Classe. Paris.